Ouais, enfin, c'était pas mes derniers combats. Entre-temps, ils étaient avec le Warrior avant tout. Honnêtement, ça a été un peu complexe. Bon, on a fini par trouver un arrangement qui a fait que. Voilà, enfin. Bref, la Bulgarian Top Team et JB ont très bien fait le travail et ont pu faire en sorte que je sois libéré, même si ça n'a pas été quelque chose d'évident ni de facile. Ouais, bah forcément. On s'est renseigné. Et comme je disais, enfin, dans le roster, c'est une des filles que j'avais déjà vue sur des UFC que je regardais, en fait. Et je me disais simplement que cette nana pouvait être un bon test si c'était vraiment ce que représentaient enfin, les non classées, en tout cas celles qui étaient en dessous du top 15 à l'UFC, et que j'avais largement ma place. Et que, comme je le dis, elle est complète, elle est intelligente, elle est expérimentée, mais c'est un bon test pour moi, justement, pour passer au palier au-dessus, en fait. Franchement, non. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et j'ai envie de dire que rêver de mieux. Enfin, tu vois, mes combats, j'ai eu peu de fois la chance de combattre à Paris. Bon, c'était le cas, du coup, comme tu l'as cité à Hexagone, vu que c'était au Zénith de Paris. Là, je suis super contente. C'est encore une deuxième fois à la maison en l'espace de 8 mois. Donc, franchement, c'est top. Les gens enfin, qui ont eu la chance d'avoir une place et qui peuvent se déplacer pourront le faire. Et le soutien à Paris, en France, c'est juste top.